Bonsoir chers tous, bonsoir chers abonnés. Merci d'être connectés sur notre chaîne Prosta Pétanque. Nous vous proposons dans cette vidéo une très belle rencontre tête à tête du championnat départemental X1 tête à tête homme qui s'est joué le week-end au Boulodrome Marie Bénard de la ville de Nice. Une très belle rencontre tête à tête entre Mayron Baudino et Nicolas Rivière. Une belle rencontre que nous vous invitons à suivre. Bonsoir à tous et merci de liker et de partager cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour suivre nos prochaines publications. Et voilà, c'est parti pour la première main. Baudino qui a le bouchon. Voilà. Baudino, Mayron Baudino de Casse de Nice qui avait remporté la doublette homme la dernière fois. Bravo, premier appoint de Mayron Baudino dans cette première main. Finale championnat départemental X1 individuel qui met aux prises Mayron Baudino face à Nicolas Rivière. Nicolas Rivière pour le tir. Réussi. Qui est réussi de Nicolas. Mais le point est toujours à Mayron Baudino. Rivière pour la reprise de points. Réussie. Une reprise de points réussie de Nicolas Rivière. Mayron Baudino pour le tir. Manqué, c'est manqué de Baudino qui a encore une boule à jouer dans cette première main. Allô Baudino pour la reprise de points. Réussi, reprise de points réussie de Baudino. Nicolas Rivière qui va certainement tirer pour deux. Pour carreau 2, Nicolas Rivière. Bravo. Tir carreau, palais de Rivière qui marque 2 points dans cette première main. Ouais, c'est parti pour la deuxième main. Rivière qui lance le bouchon. Deuxième main, 2 points pour Rivière et 0 pour Baudino. Rivière pour son premier appoint. Bravo, réussi. Réussi, bravo. Baudino pour le tir certainement. Oui, tir réussi. Mais c'est pas si la boule est ressortie ou pas. Là, il faut l'arbitre. Oui, la boule n'est pas sortie, donc l'arbitre pour confirmer le point. Confirmer le point ou infirmer le point à Baudino. Une très belle finale que nous vous invitons à suivre. Restez câblés. Vous allez assister à des super chaos durant cette finale. Baudino pour sa deuxième boule dans cette main. Une reprise. Une reprise un peu écartée, près de 2 mètres sinon plus au-dessus du bouchon, de façon stratégique. Rivière réussit, bonne reprise de points de Rivière. Baudino, bravo, petit palais de Baudino. Et Rivière qui a encore une dernière boule à jouer dans cette deuxième main. Reprise de points réussie de Nicolas Rivière qui manque encore un point supplémentaire dans cette deuxième main, ce qui fait 3 points pour Rivière et 0 pour Baudino. Parti pour la troisième main, lancé de bouchon de Nicolas Rivière. Nicolas qui vérifie au pas la distance. Monsieur l'arbitre de la partie pour confirmer les 10 mètres. Pas bon, plus de 10 mètres. Donc, Baudino, pour replacer le bouchon, certainement à 9 mètres environ. Donc, vous assistez à la finale individuelle homme du championnat départemental de la ville de Nice, qualificatif pour le championnat de France. Une tête-à-tête qui met aux prises Mayron Baudino de Casse face à Nicolas Rivière de Nîmes. Petit palais de Baudino. Rivière pour la reprise. Bravo. Reprise de points réussie de Nicolas Rivière. Mayron Baudino pour le tir. Waouh, super carreau. Super carreau de Baudino. Super carreau de Baudino. Nicolas Rivière pour la reprise de points sur les 2 points à terre de Baudino. Réussi. Reprise de points réussi. Baudino pour un tir KO 3. Manqué. Oh là 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 là. Il a loupé le job. Il avait fait un bon job, mais qui n'a pas pu concrétiser. Donc, un point supplémentaire dans cette troisième main pour Rivière. Ce qui amène le score à 4 points pour Rivière et 0 pour Baudino. C'est parti pour la quatrième main. Nicolas Rivière pour la reprise des points. Un appoint plutôt, je voudrais dire. Un appoint de Rivière dans cette quatrième main. Baudino pour le tir. Bravo. Super petit palais de Baudino. Et Rivière pour la reprise. Une très belle finale là, que vous suivez depuis le Boulodrome Marie Bénard de la ville de Nice. Belle reprise de points de Rivière. Bravo. Une très belle partie. Restez connectés, suivez jusqu'au bout. Trop de suspense dans cette magnifique finale, tête à tête homme. Oh là là. Casquette. Et tire casquette sur la boule de Baudino et qui fait sortir en fait la boule à tirer. Un point à terre pour Baudino et Nicolas Rivière pour la reprise. Reprise manquée, un peu court pour Rivière. Alors, Baudino qui a encore une dernière boule à jouer pour faire le rajout. Bravo, rajout réussi. 2 points marqués par Mayron Baudino dans cette 4e main, ce qui fait 2 points pour Baudino et 4 points pour Rivière. 5e main. Nos salutations à tous nos amis de la ville de Nice. Beau à point de Baudino. Presque un biberon. Réussi de Baudino. Rivière qui va tirer. Oui, tir réussi, mais je pense que la boule tirée a toujours le point sur la boule de Rivière. Alors, Rivière qui va essayer de faire la reprise de points. Dans les parties comme celle-ci en tête-à-tête, il faut être précis et très astucieux. Bravo. Reprise de points de Rivière, réussi. Baudino pour jouer sa boule. Oui, belle reprise de points de Baudino. Rivière. Nicolas Rivière. Pour le tir. Oui, gratté. Petit manqué de Rivière. Baudino qui va essayer encore une fois un carreau pour 3 points. Manqué. Alors, un point supplémentaire pour Mayron Baudino dans cette main, ce qui me fait amène le score 3 points pour Baudino et 4 points pour Rivière. Et c'est parti pour la 6e main. Mayron qui a poussé un peu plus fort le bouchon. Et l'arbitre pour la mesure, pour confirmer les 10 mètres. Oui, c'est bon. Confirmé. Sixième main, 3 points Baudino, 4 points Rivière. Baudino pour son appoint dans cette 6e main. Oui, bel appoint de Mayron Baudino. Elle a point. Nicolas Rivière pour un tir. Super carreau retour de Rivière. Bravo, magnifique. Très bien joué de la part de Nicolas. Reprise de points manqués de Baudino qui fait court. Oui, je pense que il a manqué encore la deuxième reprise. La Rivière qui a encore deux boules à jouer pour faire deux points supplémentaires. Pour marquer deux points encore, qui va faire trois points supplémentaires dans cette main. Réussi. Bravo. Il y a deux à terre. Encore une dernière boule pour marquer trois points dans cette main. Non, manqué. Troisième rajout manqué de Rivière. Donc, deux points marqués dans cette sixième main, ce qui fait 6 points pour Rivière et 3 points pour Baudino. Parti pour la septième main. Finale. Championnat départemental de la ville de Nice. Une très belle rencontre individuelle entre Mayron Baudino et Nicolas Rivière. Alors, Rivière pour son premier appoint dans cette septième main. Très bien joué. Magnifique. Magnifique. Alors, Baudino, pour le tir. Bravo, super carreau. Très bien joué. Très beau tir de la part de Baudino. Alors, Rivière qui va répliquer le tir, ça c'est sûr. Réussi, réplique réussie de Rivière. Baudino pour sa reprise de points. Oui, reprise de points écartée légèrement. Il a fait de façon stratégique. Là, en pressant Rivière un peu embarrassée, mais qui va faire le tir quand même. Tir réussi, mais la boule n'est pas sortie. Qu'est-ce qu'il va faire Baudino? Oui, un rajout. Rajout de points de Baudino. Et voilà. Septième main. Deux points supplémentaires pour Baudino, ce qui fait 5 pour Baudino et 6 pour Rivière. Et c'est parti pour la 8e main. Très belle rencontre tête à tête entre Baudino et Rivière. Nos salutations à tous nos abonnés, à tous nos amis de la ville de Nice, et à toute l'équipe organisateur de ce championnat. Belle organisation. Merci à tous. Alors, Rivière, pour son tir manqué, de Rivière. 8e mène. 5 pour Baudino et 6 pour Rivière. Rivière pour son second tir. Ouais, second tir réussi. Mais qu'est-ce que ça donne? Apparemment, les deux boules sont sorties, donc il va jouer sa dernière boule. Ouais, reprise de points. Reprise de points. Baudino qui a encore deux boules à jouer. Encore deux boules à jouer de la part de Baudino pour marquer encore des points supplémentaires dans cette 8e mène. Mayron Baudino, qui est déjà qualifié pour le championnat de France catégorie doublette. Tir réussi. Voilà. 2 points supplémentaires pour Baudino, ce qui fait 7 pour Baudino et 6 pour Rivière. Parti pour la 9e mène. Baudino qui lance le bouchon et vérifie la distance au pas. Environ 10 mètres. À plus de 10 mètres. Plus de 10 mètres. Rivière qui choisit sa distance. Presque 6 à 7 mètres. Oui, jolie portée de Baudino. Très bien joué. Très très bien joué. Ouais, le tir de Rivière. Bravo, tir réussi de Rivière, qui joue très bien. Une très belle finale que nous assistons. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines publications. Alors, Baudino qui vient de pointer très écarté dans le champ de la boule de Rivière pour l'amener à faire un contre. Oh là 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 là, petit manqué de Rivière. Petit manqué. Oui, reprise de points de Rivière. Baudino qui a encore une boule à jouer va tirer. Manqué. Tir manqué de Baudino. Un point supplémentaire à Rivière dans cette 9e main. Ça fait 7 partout. Bravo les gars, 7 partout. Très bien joué. Ouais, parti pour la 10e mène. 10e mène. Ouais, Rivière pour son premier appoint. Bravo, bravo, bravo. Très bien pointé. 7 partout dans cette 10e haine entre Rivière et Baudino. Une très belle rencontre que nous assistons. Ouais, tir réussi de Baudino. Mais les deux boules sont sorties. Donc Baudino qui va jouer encore sa deuxième boule. Bel appoint de Mayron Baudino. 7 partout. Rivière, encore 2 boules à jouer. Rivière, encore 2 boules à jouer. Rivière pour son tir. Manqué. Oh là 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 là. Petit manqué de Rivière. Je pense que il doit avoir un peu de pression et il faut vider les poumons et charger les poumons de nouveau oxygène pour être au-dessus des stress. Oh là 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 là. Reprise manquée, très mal jouée de la part de Rivière. Baudino qui a encore la chance de marquer un point supplémentaire dans cette 10e main. Et ça fait, bravo, 2 points supplémentaires pour Baudino. Ça fait 9 à 7 dans cette 10e main. Mayron Baudino qui prend l'avance sur Rivière. Et c'est parti pour la 11e main. Mayron Baudino qui prend l'avance, 9 à 7. Bravo. Très bel appoint encore de Mayron Baudino. J'espère que Nicolas Rivière va essayer de se relâcher un peu pour revenir dans la partie avec les tirs. Nico. Oh là là là, petit manqué. Ça fait 3 mains successives qu'il fait des ratés de tir qui va le pénaliser dans la victoire, certainement. Alors, Rivière pour son 2e tir. Encore manqué. Oh là 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 là. Là, il va falloir qu'il joue très bien sa dernière boule. Essaye de faire un bouchon, un devant de boule. Comme le diraient nos amis de la pétanque du Bénin, un moustique sur testicule. C'est mettre sa boule sur la boule de l'adversaire pour rendre le tir difficile à son adversaire. Oh là là, ah là 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 là. Rivière qui vient de faire vraiment une moustique sur testicule, comme je le disais tantôt. Très très bien joué. Alors, Baudino qui va essayer de tuer cette moustique, la boule, au tir. Non, il a préféré décaler. Là, c'est très bien joué de la part de Baudino. Ça, c'est de l'expérience. Il faut décaler pour avoir la facilité de tirer la boule de l'adversaire. Là, s'il réussit le tir, je pense que ça va être parti pour 3 points. Oh là là, mal tiré. La boule est restée. Un point supplémentaire pour Rivière dans cette 11e main. Le score est de 9 pour Rivière et 9 pour Baudino, pardon, et 8 pour Rivière. Ça va être parti pour la deuxième N. Une très belle finale individuelle, championnat départemental de la ville de Nice, qualificatif pour les championnats de France. Alors, deuxième N, 9 points pour Baudino et 8 pour Rivière. Rivière qui fait son premier appoint dans cette main. Très bien joué. Joli pointage de la part de Rivière. Baudino. Oh là là. Tir réussi, le bouchon est sorti. Donc, 12e main annulée. 12e main annulée. 9 à 8 pour Baudino. Rivière qui relance le bouchon pour la 13e N. Une finale magnifique, très agréable, très intéressante, que nous vous proposons sur notre chaîne. Un appoint très bien joué de la part de Rivière. Très très bien joué. Mayron Baudino pour son tir. Super carreau fermé de Baudino. Très très bien joué de la part de Baudino. Et je pense que Nicolas Rivière n'a plus droit à l'erreur. Il doit réussir impérativement le tir si il doit gagner. Oh là là, tir manqué encore. Là, la pression, ça monte. Ça monte. Oui, encore une dernière boule. Est-ce qu'il va réussir, comme tout à l'heure, à faire un devant de boule? Je pense que c'est ce qu'il va certainement essayer de faire. Allez, Rivière. Oh là là, peu s'en fallait. Très bien joué. Peu s'en fallait, il allait réussir encore. Mais c'est très bien joué. Très bien joué. Là, Baudino qui a encore deux boules à jouer, qui a la possibilité de marquer 3 points s'il fait un KO. Ouais, 3 points supplémentaires pour Mayron Baudino dans cette 13e N. Score 12 pour Baudino et 8 pour Rivière. Et voilà. Merci d'être toujours connecté sur notre chaîne. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines publications. Alors, c'est parti pour la 14e main dans cette finale individuelle entre Mayron Baudino et Nicolas Rivière. 12 points pour Baudino et 8 points pour Rivière. Un appoint un peu court pour Baudino. Rivière a de la place pour faire une très belle reprise. Reprise de points réussie, mais légèrement écartée au-dessus du bouchon, laissant ainsi encore la place à Baudino de reprendre le point. Voilà. Reprise de points réussis de Mayron Baudino. 14e main. Finale individuelle qualificative pour le championnat de France. Rivière qui veut confirmer le point, qui veut s'assurer. Je pense que le point à la boule de Baudino, voilà. réussi la reprise de Baudino. Là, avec le score 12-8, Rivière n'a plus droit à l'erreur. Doit jouer la boule qui reste avec beaucoup de précision, sinon ce serait fini la partie. Alors, certainement, une bonne reprise de points va lui faire sauver cette mène. Rivière. Et voilà, bien réussi, bravo. Belle reprise de points. Encore une boule à jouer pour Rivière. Et Baudino pour le tir. Super carreau. Waouh, bravo. Super carreau de Baudino. Qui a 2 points à terre pour terminer la partie. La dernière boule de Rivière doit impérativement venir au bouchon pour marquer le 1 point supplémentaire. Voilà. Rivière qui réussit le job. Bravo. 1 point supplémentaire à Rivière dans cette 14e main. 12 points pour Baudino et 9 points pour Rivière. Voilà, c'est parti pour la 15e main. Quelle finale de fou. 15e main. 12 points pour Baudino et 9 pour Rivière. Rivière qui doit beaucoup s'appliquer dans cette main. Très, très bien réussi. Très, très bien réussi de la part de Nico et Baudino pour le tir. Bien tiré. Carreau, palais, petit palais de Baudino. 1 point à terre pour Baudino. Baudino qui joue pour 1 point. Et Rivière qui doit être vraiment stratégique, qui doit jouer avec beaucoup de stratèges dans cette main. Mayron Baudino pour son second tir. Très bien réussi. 2 palais dans cette 15e main. 2 points à terre, avec 12 points au compteur pour Baudino. La dernière boule de Rivière va-t-elle sauver la mène? Là, je pense qu'il compte bien faire un biberon pour amener Baudino à faire un tir, pour faire noyer le bouchon. J'espère qu'il va pouvoir réussir. Bien réussir, mais très bien réussi, mais il n'a pas pu faire le biberon. Donc, un très beau tir de la part de Baudino terminera la partie. Oh là là, magnifique carreau qui termine la beauté, la partie pour Mayron Baudino. Bravo. Victoire de Baudino dans cette finale championnat départemental X1 de la ville de Nice. Qualification de Mayron Baudino pour les championnats de France. Et Nicolas Rivière qui va jouer la Ligue. Merci à tous, chers abonnés. Merci à tous. Recevez nos salutations et à la prochaine.